À vos ordres, monsieur le président. Vive le gouvernement Papouas, CNCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Toujours de nouveaux papos pour enjailler la toile. Papouas, c'est ma nation. Avec le président, le coco. Madame la gouverneure Karine Ashton, le premier ministre Zan, selon la constitution. Nous allons casser les papous. Bonjour à toute la Papouasie, comme vous m'avez manqué, je suis de retour parmi vous après quelques jours d'absence. Ah, ça fait du bien de vous retrouver, cher Papouas. Oui, DJ Mouloukoukou, votre président chouchou, président élu démocratiquement à vie de la... de la Papouasie. El Cuadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Unico, El Capote Tutti Capi. Voilà. Une nouvelle semaine de dépapourisation commence. Commençons en musique avec Jesse, c'est moi. Riffy, c'est l'ex-danseur de DJ Mix. Riffy Jessing. Hey, oh, I am Asian. Aye, chongo and iwo. DJ. La marraine Woki a su soko. Voilà ton morceau. Ruffy, Jessing, viens Ruffy. Aïe, c'est à moi comment? Ruffy, Jessing, ça va Ruffy? Oui, papa. Oh, regarde la caméra. Alors, ex-danseur de DJ Mix, pourquoi tu as quitté la danse pour la chanson? Vraiment? Là, t'es essoufflé. J'aime la chose. J'aime la chose? C'est tout ce que j'ai à dire. D'accord. Parce pas que bien. Après, le vieux, non, c'est pas ça. C'est juste qu'on ne travaille pas pour rester au bouton. On travaille pour grandir aussi demain. D'accord. Pour qu'on soit un exemple pour d'autres personnes. D'accord. Donc voilà. Le virus de la musique t'a piqué. Donc toi aussi. Ça y est, moi, depuis petit. Donc toi aussi, tu vas des danseurs aussi. Maman, Karina, c'est beaucoup. Bolo, il dit on ne danse pas pour rester. Mais rester mouton, effectivement. Donc tu tiens mouton, en fait.
Non, il veut dire qu'on doit évoluer, c'est ce qu'il veut dire. Voilà, quelque sorte. Voilà. Mais donc, toi, tu auras des danseurs aussi. J'ai déjà des danseurs. Voilà, ok, c'est bien. J'ai un troupe de danseurs que j'entraîne des fois. Ok. Maintenant, là, je suis venu seul. Toi, tu es venu seul. Je vais lui montrer un peu de quoi je suis capable. C'est ce que j'ai dit dans le morceau. Okay. Je ne suis pas là pour la concurrence, ouais. Mais on fait preuve de mon talent. C'est bien. Quels sont tes objectifs? Qu'est-ce que tu comptes faire avec ta chanson là? Bon, déjà, j'ai déjà deux tubes qui sont déjà sortis. D'accord. Que je n'ai pas encore lancé. D'accord. Là, je suis en train de faire la promo du Tiongon. D'accord. C'est disponible sur YouTube et sur mes différentes pages. D'accord. Ouais. Donc là, tu viens récupérer le game. Chers papouas, chers papouas, allons écouter et streamer Ruffy Jessing pour lui donner de la force parce que c'est de ça qu'il s'agit. Merci. Écoute, prends soin de toi et puis bonne chance. Merci. On est ensemble. Merci. Allez, merci bien. Allez, ciao. Il est temps à présent, chers papouas, de vous présenter. Alors, attends, monsieur non, le président. Je voulais vous saluer. Il ne faut pas enfreindre la loi. Ok, d'accord. Okay. Ils sont là, les membres les plus influents de la Papouasie, après le président, madame la gouverneure de Gbere City. Karen Astaire. Bonjour. Karen Astaire. Bonjour. The queen of Gbere. Oh yeah. Ça va? Oui, ça va, j'ai la pêche, hein. D'accord. Oui, c'est rare les lundis. D'accord. Et puis la plupart des lundis, il y a trop de malaise. Donc aujourd'hui, je me réveille, je dis merci Seigneur, je suis en bonne santé et je suis sur mon plateau. D'accord. Au zone Afrique Bamba, premier ministre nommé par décret hautement spirituel, validé maintenant par la mer. Bonjour. Bonjour, monsieur le président, vous allez bien? Ça va. Alors, selon la Constitution, lorsque le président s'absente pendant une semaine, une très longue semaine, pour des coopérations multilatérales à l'extérieur de la Papouasie, le président, à son retour, doit rendre compte. D'accord. Où étiez-vous? Que faisiez-vous? Avec qui? Où? Quand? Comment? D'accord. On veut tout savoir. Le peuple veut tout savoir. Écoute, je suis un président exemplaire, un président qui travaille pour sa population. Alors, je veux déjà vous dire merci d'avoir géré le pays. Hein, félicitations. Et puis, je pense qu'on pourra se parler après. Vous aurez quelques petites augmentations. Voilà, après le budget. D'accord. Alors, j'étais à San Pedro. Je suis allé à San Pedro. Quand on dit San Pedro, tous les événements qui touchent à San Pedro touchent au président. Donc, je suis allé soutenir monsieur le maire, hein, qui avait son festival. Et donc, les artistes de la ville, naturellement... Le président est allé soutenir... Bien sûr, le maire. Le maire. Le maire, voilà. Donc, là on va vous regarder l'entrée du président sur le site. Il y a la population papouase qui s'est déplacée en grand nombre pour, n'est-ce pas, manifester sa joie, manifester sa reconnaissance et son amour au président. Voilà. Et donc, c'est ce que vous constatez là. Bon, Tinti, je ne sais pas si on peut avoir un bout... Voilà. Ben voilà. Voilà, c'était magnifique. Voilà, la communion avec la population, c'était vraiment bien. San Pedro, c'est mon cœur. Et quand il y a un événement, je me déplace. Et puis, j'apporte ma contribution. Et puis, là-bas, il y a eu Sérédier. Hein, j'ai rencontré Sérédier. Ouais. Sérédier qui est un guéré, hein, un super guéré. Hein, il fait partie de la West Coast. Super. Donc, on s'est rencontrés. Et là, on parlait de quoi? De projet. Alors là, il me dit, bon, c'est un peu bizarre, les papouas sont là. Enfin, il voulait faire une piqûre, il m'a dit, est-ce que c'est correct de le faire devant la foule? Et donc, c'est de ça qu'on parle. Je dis, mais il n'y a pas de problème. Il m'a dit, bon, c'est un peu bizarre, mais où est-ce que tu te trouves? Où est-ce que tu loges et tout? Est-ce que, donc, rendez-vous dans rendez-vous. Le président fut piqué. Oui! Okay. Mais Sérédier, c'est mon frère. La piqûre, c'est comme... voilà. Pied au carré. Voilà. Donc, Séré, Geoffroy, Asseo, Dodi, merci encore pour la piqûre. Et puis, passez bon ce gilet à San Pedro. Ah. Lui aussi est allé saluer le maire, apporter sa contribution aussi, n'est-ce pas, à cette belle fête. Et puis, bon, ben... Il était là-bas en tant qu'artiste? Non, pas en tant qu'artiste. Il est allé accompagner José, qui devait aller en prestation. Il était là accompagner sa fiancée. Oui, voilà. On va dire ça comme ça. Okay. Parce qu'il y a eu une journée pour les femmes et José devait faire une prestation. Donc, il est le manager de José? Il est le
patron de Chama Prod et qui dit Chama Prod parle naturellement de donc c'est le producteur qui accompagne l'artiste. Bon, Seredi était à San Pedro. Le producteur et le fiancé qui accompagne l'artiste. Seredi était avec José à San Pedro pour la prestation de José. Et moi, ce que je veux t'expliquer, j'ai été piqué avec Seredi et je suis parti. Et je voulais saluer... Vous refermez, n'est-ce pas, cette fois, je voulais saluer tous mes amis de San Pedro, Thierry Abayomi, Jackie Bruy, Souf Diabaté, Cara, Pacha, mes vieux pères Blaise et Coolio. Et puis après San Pedro, il y a Pokis qui m'a appelé, il y a le ministre des sports, de la jeunesse et des sports, Adaï Fossou qui... Hey, t'as bien dit, le sport dans 10 minutes. Oui, il a dit ça. Mais Moulou, tu as dit ça, ça peut dire, ah, rapidement, il y a une mission là. Il faut que, donc, il y avait la finale, n'est-ce pas, voilà, NCI. Tournoi de la confraternité. Ouais. N'est-ce pas, on a première participation, première victoire, on a remporté la finale. Voici ce magnifique trophée et puis on va vous proposer quelques images. Tintage. Alors les gars, le maître mot de cette victoire, c'est évidemment l'effort de discipline qu'on s'est imposé depuis le début du tournoi. Et j'ai une idée de 16 ou 10, vous avez constaté que chaque fois qu'on a marqué, ça a toujours été en première intention. Aujourd'hui, les deux buts sont arrivés en première intention. Il ne faut pas se casser la tête, on n'est pas le Real Madrid, on n'est pas Barça. On ne peut pas conserver le ballon tac-tac en première intention en jeu. Pour beaucoup d'entre nous, on n'est pas des footballeurs professionnels, on n'est même pas assidu au sport, donc il y a un problème d'endurance, il y a un problème de cardio. Voilà. Cela dit, je vous dis félicitations pour le travail abattu, on a joué sous une chaleur de plomb, ce n'est pas du tout évident. On aimerait aussi surtout dédier évidemment cette victoire à deux de nos collaborateurs, collègues, amis qui nous ont précipités dans l'au-delà. Yves et naturellement Iguet, pour qui on a une pensée profonde, sincère. On a une pensée également pour leurs proches, pour leurs familles. Et on se devait évidemment de leur offrir cette victoire, comme je l'ai dit, d'entrée de match. Paix à leurs âmes, que Dieu pardonne leurs fautes, qu'il les accueille dans son paradis, le paradis des privilégiés. Félicitations à nous tous et à eux également. Voilà, vous écoutiez le mot du capitaine Cheikh Ivan qui a été élu meilleur joueur du tournoi. Et je voudrais profiter en même temps de cette occasion pour saluer toute l'équipe de NCI. Hein. On s'est mobilisé comme un seul homme. Hein. Vraiment, il faut applaudir les gars, c'était magnifique. On a passé un superbe séjour et vous avez vu comment les amis étaient voilà, ensemble. Il y avait de la joie, de la solidarité, de la gaieté, de la convivialité. En tout cas, félicitations à toute l'équipe. Et puis, on a une pensée pour nos collègues partis trop tôt, hein, Iguet et Yves Kofi. Vraiment que Dieu vous reçoive près de lui. Et puis, on condoléances à toute la famille biologique et la famille professionnelle. En tout cas, que Dieu les reçoive près de lui. On a anniversaire avant de poursuivre les gars. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Madame Kablan Oble Joël Lydie. Bon anniversaire. Bon anniversaire aussi à Yao Emmanuel David. Hein, c'est notre collègue, il fait des voix off de JT. Du JT, NCI Reportage, n'est-ce pas? Ouais. Voilà. Et puis, Alassane Thuo, qui est au service marketing. Bon anniversaire, bro. On était ensemble. Thuo, je vois Thuo, c'est ce que j'ai dit. Ouais. On a kiffé, c'était vraiment bien, Yako. Ouais. C'était vraiment bien. Et puis, il y a mon vieux père, Yous Magic. Hein, bon anniversaire en retard. Vanessa. Doyer. Elle est guérée. Voilà, Vanessa Doyer qui est à la programmation NCI. Et Nostalgie. Et Nostalgie, voilà. En tout cas, merci à tout le monde. Merci à tout le monde aujourd'hui. C'est lundi, vous le savez. On a d'importants papos. Il est temps maintenant de savoir ce que ce premier numéro de la semaine nous réserve. Tout de suite. Et maintenant. Au sommaire de Showbuzz du dernier lundi du mois de février. Un peu plus de mois après son sacre au Hip Hop Ivoire Trophy, Didi B réclame sa voiture. On dépaporise ça. Du nouveau dans le Love Story, Seredié José. Une longue lettre attribuée à la famille d'Aline circule sur les réseaux sociaux. De qui provient-elle? Vient-elle vraiment de la famille de l'ex-femme de l'ancien international ivoirien? C'est ce qu'on verra dans cette émission. Après une période difficile, elle revient avec un nouveau projet musical. Jeanine Clean est l'invitée de ce lundi. Jeanine Clean est notre invitée du jour avec qui nous allons parler. Cette fois-ci, tu es face à toi. All right? Yes. Face à toi. Tu connais ce pays?
tu le connais, tu es déjà arrivé ici, tu as visité, on t'a fait visiter les routes, on t'a fait visiter tout ce qu'on a de plus beau ici. Mais on a une règle. La règle d'or, c'est promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Hein? Tu as oublié. Elle ne peut pas oublier. Je ne me rappelle plus. Comment tu dis? En grec, il y a un bain. Je l'ai dit, tu as oublié. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Bon enfant. Alors, le 9 février, tu as annoncé que le travail a commencé. Ce sera du haut niveau. C'est quoi le haut niveau, Janine? La qualité de mon travail. D'accord. Et le résultat, en fait. D'accord. Qu'est-ce que tu apportes de nouveau? Qu'est-ce que tu viens faire pour t'affirmer? Bon, on connaît Janine en tant qu'une danseuse d'abord. Mm-hmm. C'est vrai qu'on est artiste, chanteuse, mais on n'est pas chanteuse à la base. D'accord. Bon, moi, je ne suis pas chanteuse à la base. Mm-hmm. Donc, et puis, c'est, on peut dire que c'est le seul son où j'ai peut-être que j'ai chanté seule. D'accord. Et je sais que moi-même, j'ai chanté. D'accord. Ah ouais. J'ai fait écouter à plusieurs personnes, mm-hmm. mes dévanciers, mm-hmm. qui m'ont félicité. D'accord. Donc, je trouve que si c'est bon... Mm-hmm. Pour eux, c'est bon pour moi. Si c'est bon pour moi, c'est bon pour eux. Donc, j'ai mis le haut niveau. Pour juste, c'est le changement qui est là. Le changement. Et la qualité du clip, la manière de faire les clips, ça n'en fait plus les clips baoulés. La réapparition. Le clip baoulé. Non. C'est quoi un clip baoulé? Mais puis pourquoi baoulé? Tu peux dire Maoka. Tu peux dire Maoka. Tu peux dire clip guéré, par exemple. C'est tout cela. Voilà. On a fait un clip. Alors, mais est-ce que... Yéli, est-ce que... Moi, je quitte le plateau. Non. Alors, donc, Janine, est-ce que, quand on parle de haut niveau, est-ce qu'on pourrait voir Janine Clean sous un autre registre, R&B, oui, Afro. Oui. D'accord. Il a fait la variété musicale. D'accord, ça c'est. Je suis dans tout, mais je ne laisse pas mon coupé décalé. Super, c'est déjà bon. Carina Style. Alors, Janine Clean, heureusement, je suis revenue sur mon plateau. Je vais te demander, est-ce qu'on peut dire que c'est une nouvelle carrière qui commence? Ouais, je peux dire que je reprends à zéro. Ça, je peux dire ça. Avec dans ma tête, quoi, je reprends à zéro. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau qu'il n'y avait pas avant? Il y avait. En fait, moi, je n'étais pas là. Donc, ce n'est pas comme s'il y avait... Ce qu'il y a de nouveau, c'est... Non, dans toi, ta carrière, qu'est-ce qu'il n'y avait pas avant qu'il y a maintenant? Parce que tu renais de nouveau, comme tu as dit. Tu reviens... C'est le travail. Ouais. C'est plus pareil. Mmh. Avant, avant, mes morceaux n'étaient pas chantés comme ça. Mmh. Maintenant, je viens en tant qu'une chanteuse, maintenant. Oui. Ouais. Donc, il y a de la technique, de nouvelles ouais. techniques. Ça veut dire que tu es une chanteuse variété, pas seulement coupée, décalée, c'est ça? Oui. D'accord. Ça, c'est déjà pas mal. Aux autres? D'accord. Moi, je vais réagir par rapport à ce que tu as dit. Tu dis que tu reviens en tant que chanteuse, alors que tu n'étais pas chanteuse. J'étais chanteuse. Ouais. Bon, je suis artiste-chanteuse, mm-hmm. normal, il n'y a pas de problème. Oui. Mais je n'étais pas chanteuse. Pas. Oui, pas. Est-ce que tu as pris des cours ou. Je prends. Tu prends je continue de prendre. D'accord. Ouais. Quand tu fais le bilan de ta carrière, qu'est-ce qui t'empêche de progresser et puis, bien sûr, de faire partie des chanteuses qui comptent en Côte d'Ivoire, finalement? Qu'est-ce qui t'a empêché? C'est ce que vous savez. Le deuil, il fallait que aussi je me reprenne, tout ça. Mine de rien, c'est vrai que ce que je vous explique, c'est pas ce que vous vivez. C'est moi qui vis ma douleur. Donc, il fallait que je me soigne correctement. C'est vrai que je partais prester, mais après, j'arrêtais. Donc, les gens se disaient que peut-être qu'elle est au foyer, donc elle ne veut plus. Mais je me soignais. D'accord. Donc, je ne peux pas faire deux choses à la fois. Soit je me soigne, soit je continue ma carrière. Oui. Donc, j'ai préféré attendre encore, d'accord. prendre tout mon temps pour me soigner. Il y a le moral aussi qui a atteint. Voilà, ouais, il y a... qui était. Bon, qui était, d'accord. Ah, c'est déjà c'est une bonne nouvelle. Et tu parlais de foyer, tu es en couple, non? D'accord. En tout cas, il y a un enfant. OK. Hein? Son papa est là. Oh, il va bien. Oh, okay. Vous savez comment? OK. Il va être Dibé. Oh, quel Dibé? Toi. Ah, mais ça, c'est un son. Hein. On peut continuer l'émission. Justement, on continue l'émission. Alors, certains disent que tu fais plus attention à ton physique et à ce que tu portes. Casque. Ou intensif de... Casque. On dit que tu fais plus attention à ton physique, à ce que tu portes, qu'à ce que tu offres ou ce que tu vas offrir à tes fans. Qu'est-ce que tu réponds? Non, c'est le résultat qui est là. C'est la réponse qui est là. J'ai fait Wari. D'accord. Et puis, j'ai déjà répondu que je prenais tout mon temps pour me soigner. Donc, il fallait aussi que je sois active. D'accord. Donc, c'est pour ça que je mettais les photos. D'accord. Même si je ne fais pas trop de direct. Ouais. Mais je pense que je vais faire direct maintenant, ouais. Super. Il y a le 20 janvier 2020, tu as annoncé Wari. Oui. Mais sauf que c'est sorti 3 ans après. Il y a eu quel problème? 3 ans oui. après. Oui. Je me rappelle très bien. Tu as annoncé Wari. C'est pas... Même quand tu l'enregistrais, je suivais. Mais c'est la même réponse. Des vidéos et tout. C'est la même réponse. Mmh.
Je veux revenir sur scène, mais la douleur ne me laisse pas. Donc, je ne peux pas mélanger les choses. Donc, j'ai pris mon temps pour me soigner et je suis de retour. Tu as travaillé avec qui? Avec Exo, le charismatique. Exo? Pourquoi le choix d'Exo? J'ai voulu tester Exo. D'accord. Ouais, bon, Exo, c'est comme une famille, en fait. D'accord. C'est quelqu'un avec qui je m'entends plus. Qui te connaît? Oui, qui me maîtrise. Qui te maîtrise, d'accord. C'est pour ça. Dans Wari, tu as rappelé. Le prochain, je pense que je vais changer. D'accord. Et le laisser respirer un peu. Tu vois qui? On va voir. Mais lui, il est devenu arrangeur maintenant, hein, Moulou. Il est devenu arrangeur maintenant. Non, si c'est lui, il n'est pas PO. Non, faut que ça voit les autres. Non, mais volontiers, si jamais tu veux, il n'y a pas de problème, volontiers. Ozone. Dans Wari, tu as rappé. Oui. Tu as même bien rappé. Qui t'a donné le feu? Quoi? Est-ce que tu rappais avant de venir le couper décalé? Oh, pourquoi? Ou bien, c'est le haut niveau, vraiment. Hein. C'est le haut niveau. C'est le haut niveau. Hein. Non, il ne rappait pas. Il ne rappait pas. Ah. Ouais. Qui t'a formé? Qui t'a formé dans rap là? C'est qui même? Il y a longtemps, il fait mon soleil. Ah bon? Oui. Elle a dit 2020. Il est prêt alors. Ouais, Chilo, le tifo. Alors, fais un peu le rap là. Fais ton rap que tu as fait dans Wari. Comment ça? Ah. Faut faire un peu à capilla. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais quand tu as le jet, tout s'achète. Tu es toujours frais quand tu as le jet. Ta vie est chic quand tu as le jet. Tu n'as jamais tort quand tu as le jet. J'ai un poteau quand tu as le poil. Oh, il dit que c'est tout ça là, c'est aux zones, c'est tous les trucs, c'est tout, allez, tout le monde. Moi-même, je me suis pas de les faire rap, mais là, vraiment, on souffre. Mais c'est bien. Ouais, c'est vrai, quand tu as le poil, tout est beau. Ouais. Ah non, c'est qu'on aime poil. Mais le poil même, c'est nous. Ah. C'est qui? Regarde, tu sais où j'ai guidé? Ouais, pas de ça. Alors, ce son représente quoi pour toi, Wari? Dans quel sens? Dans tout le sens du terme. Hein. Tu fais une réapparition. Je pense que c'est ce qui va me remettre à ma place. D'accord. Voilà. Et c'est ça, tu as confiance que ce son va te repositionner? Ouais, c'est un tube. D'accord. D'accord. Est-ce que tu t'es fait un programme après Wari? Parce qu'après, tu dis que tu reviens, c'est le haut niveau. Mm-hmm. Est-ce que les sons vont sortir à quelle fréquence? J'ai déjà tous mes morceaux. Chaque mois? Non, je ne vais pas faire chaque mois, sinon je ne vais pas faire sentir les autres. Mm-hmm. OK. Donc, j'ai déjà tous mes morceaux qui sont là. J'ai déjà tous mes feats. Les feats avec qui? Avec Léo. Il y a Debordo maintenant qui a confirmé. D'accord. Avec Safarel. D'accord. Pour le moment, c'est tout. Ah, c'est bien. D'accord, mais c'est bien. Moi, ce que je veux savoir, puisque tu parlais de douleur et tout ça, parce qu'il y a beaucoup de choses que... Enfin, tu t'es détaché de beaucoup de choses pour pouvoir revenir. Est-ce que c'est bon maintenant? Tu as l'esprit tranquille, tu as l'esprit ouvert? Je force parce qu'après, souvent quand je suis seule, je repense à certaines choses. Mm-hmm. Mais je force pour ne plus penser à ça. Dans des circonstances pareilles, qui est proche de toi, sur qui tu t'appuies pour pouvoir oublier tout ça? Qui? Jofèze, Léo, ma mère. D'accord. Mais tout à l'heure, quand tu as cité les feats, il n'y a pas de... Claire Bailly aussi. Claire Bailly? Ah! Quand tu as cité les feats, il y a deux choses que j'ai remarquées. Il n'y a pas de chanteuse coupée décalée dans tes feats et il n'y a pas de rappeur dans tes feats puisque maintenant tu t'essaies au rap. Oh, pourquoi tu fais ça? Tu le connais? C'est un truc quand j'étais fait. C'est un rap là, tu fais un GT là. D'accord. Mais il n'y a pas de chanteuse coupée décalée en collaboration? Si. Il y a qui? On voit. On va voir. D'accord. Moi, je peux venir, mais si elle accepte, il n'y a pas de souci. Mais je vais voir. Non, normalement, si jamais tu dois contacter une chanteuse coupée décalée, est-ce que tu iras vers elle ou tu attends qu'on te propose? Non, mais je n'aime pas. C'est le travail. Ça va être qui? C'est un bon résultat, non? Ça va être qui? Que ça soit Karina, que ça soit Vital, que ça soit Sandia, Bomba Misara. Normalement, même, on doit faire un truc ensemble. Mm-hmm. Mais il faut qu'on s'entende. Mm-hmm. Voilà, il ne faudrait pas qu'on fasse quelque chose à contre-cœur. Mm-hmm. Moi, comme ça, je n'aime pas qu'on me force. Donc, si moi, je veux. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai réagi comme ça. Je veux quelque chose qui vient du cœur. Je ne veux pas quelque chose qu'on te dit. Il faut forcément faire. Ce n'est pas bon. D'accord. Sinon, après, moi, c'est au feeling. Ouais, c'est ça, sûr. Au feeling. D'accord. Aux zones Afrique Bambaa, est-ce que tu... Karina Style. D'accord, voilà. Toi, est-ce que tu aimerais chanter avec... Ah, c'est vrai, parce que c'est même pas encore arrivé. Un duo, moi, j'ai pas encore vu... Duo de filles. Mais quand vous avez fait la réconciliation, on devait faire ça, non? C'est moi qui devais produire, c'est en plus. C'est toi qui n'as pas fait. Tu n'as pas fait. Mais toi, tu m'as pas rappelé. C'est ta faute. C'est quoi ton rôle à côté de moi-même? C'est Lédia donner l'argent maintenant, il va faire. Oh, ouais, comme c'est Lédia donner l'argent. C'est Lédia. Mais oui, c'est vrai que... Tu n'as mis un problème. Est-ce que ça existe deux chanteuses coupées décalées, ils voient qui chante ensemble? Je n'ai pas encore vu. Est-ce que toi, ça te dirait? C'est possible. On peut faire. C'est rien. Ça n'a jamais été fait? T'es sûr?
Je ne l'ai pas encore vu. Karina, toi, tu as eu un feat. Je ne sais pas, on ne s'est pas encore fait. Ça n'a jamais été fait. Non. Ah, mais ça, faut le faire. Moi, je devais faire avec les bagages à couper ma route. Comment ça, couper ta route, comment? Partir chez Chris. Tu peux chanter toujours avec elle? Oui, oui, bien sûr. Un morceau, oui. Bien sûr. Bon, donc, c'est ouvert. Il n'y a pas de... Je veux dire, vous êtes des chanteuses, vous êtes des artistes. Donc, c'est ouvert. Tatami est déjà. Les gens vont vouloir plus regarder, même parce que là, ça fait des millions de vues. Pense ça, je pense que ça va donner la force même au mouvement Coupé des Calais. On va suivre ça. On va, c'est vrai que c'est moi qui ne l'ai pas suivi. Je dis, je reconnais. Il faut prendre l'autre main là. Pas si tu prends main ça là. Voilà, prends l'autre main là. Je les gire, on va à la pub. Voilà. Toi, tu me dis, ma mère a du mal. Doucement, toi, t'es blessé. Arrête ça. Toi, t'es blessé. Arrête ça. Toi, t'es blessé. Dans la troisième partie de Showbuzz, Jeanine Clean sera soumise au détecteur de vérité dans le oui ou non. A tout de suite. De retour sur le plateau de Showbuzz pour la suite de cette session de dépaporisation. Si vous venez d'allumer votre télé ou si vous venez de vous connecter, vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, le média champion de Côte d'Ivoire. Le tournoi de la confraternité. Merci. Notre invitée est une chanteuse coupée décalée qui fait son retour après beaucoup de difficultés. Elle est là, elle va s'affirmer, elle va confirmer son talent une fois de plus. Elle s'appelle Jeanine Clean, toujours belle, toujours clean. À présent, on doit parler toi et moi. D'accord. Tu es d'accord? Oui ou non? Oui. La rubrique s'appelle oui ou non. Je te pose des questions, tu réponds par oui ou par non. Pas d'autres commentaires. D'accord. Sauf si tu demandes d'expliquer. C'est bien? Alors, Blackout. Aïdara. Jeanine, ça va? Oui, ça va. Ok. C'est parti. Jeanine Clean, si je te dis que tu es de retour pour prendre le pouvoir du coupé décalé chez les femmes, est-ce que je me trompe? Non. Tu es déterminée à tout casser? Oui. Jeanine Clean, est-ce que tu te considères comme la go la plus sexy de la musique ivoirienne? De la musique ivoirienne, oui ou non. Oui ou non? Non. D'accord. Tu es la go la plus sexy du coupé décalé? C'est ce que Vital. D'accord. Selon toi, qui est la plus sexy de la musique Vital. Ivoirienne? Vital. Jeanine Clean, est-ce que tu as pensé à faire quelque chose pendant la période difficile que tu as traversée? Est-ce que tu as pensé à faire quelque chose d'autre? Ouais, j'ai pensé à faire quelque chose d'autre. Oui ou non? Oui. C'était quoi? Autre chose que la musique? Ouais. Autre chose que la musique? Si, c'est la musique. Autre chose que la musique, oui. Quoi, par exemple? Je devais faire des... Bon, d'abord mon magasin. D'accord. Pour vendre d'autres choses. Mais c'est un projet, en fait. D'accord. Après, j'ai fait du commerce après. Ouais. D'accord. Jeanine, les Papouas me demandent de te poser cette question. Est-ce que tu as un cœur à prendre? Non. Comment? Non. Non? C'est peine perdue pour les dragueurs? Oui. Jeanine Clean? Merci. Lumière, Aïdara. Mets ton merci là. T'as failli dire oui. Informons-nous avec Ozone Afrique Bamba dans Show News. Et oui, ce vendredi, donc ce week-end-là, on était du côté du Sofitel pour une cérémonie prestigieuse, le lancement d'un award qui se veut un award vraiment important dans le développement de la musique africaine, je répète, africaine, parce que ça concerne toute l'Afrique. C'est une initiative de Cheikh Ivan. Franchement, j'ai été vraiment bluffé par la qualité de l'organisation, même de la présentation de la cérémonie. Il y avait un parterre de personnages publics, il y avait les médias qui étaient là, il y avait vraiment tout le monde. Et c'est le Jelly Awards. Le Jelly Awards va concerner les artistes, ça va pousser les artistes à travailler encore plus. Et franchement,
On a des images, on peut voir ce qui s'est passé. Pintich, est-ce que c'est possible? On a des images, j'aimerais qu'on voit un peu. J'espère vous serez témoin du lancement d'une action que nous espérons faire à date et on l'espère surtout va nous permettre de redorer le blason de la musique africaine. Award pour vendre notre musique, notre culture, je pense que c'est important. Donc cet événement, je suis venu, j'ai cru et je sais que ce sera quelque chose de fort pour le continent entièrement. J'invite tous les artistes et puis tous les gars à donner le meilleur d'eux-mêmes afin d'être révélés ou remporter des prix dans ce genre de compétition. Ça va permettre aux artistes de se responsabiliser. C'est très, très, très important que les artistes se responsabilisent et comprennent que les normes internationales peuvent également être appliquées ici, en Côte d'Ivoire. C'est une initiative qui est à saluer et surtout que les artistes comprennent qu'ils doivent produire des choses de qualité pour pouvoir justement participer à ce genre d'événement-là et faire monter plus haut la culture africaine en général. Je retiens que l'excellence va enfin primer dans toutes les catégories de musique, donc c'est une très très bonne chose. Franchement, c'est fantastique. L'excellence, l'excellence, l'excellence. L'objectif évidemment des Jelly Awards, c'est de promouvoir l'excellence dans le domaine de la musique sur le plan continental, sur le plan africain, c'est important d'insister. Il y a évidemment des conditions, des conditionnalités qui, de l'avis de certains, sont rigides, mais non, je ne pense pas. C'est plutôt c'est des critères qui sont édictés d'ailleurs par les professionnels de la musique, comme c'est le cas d'ailleurs pour la plupart des cérémonies de distinction à travers le monde. Et voilà, il faut juste aller sur le site internet pour en savoir un peu plus. L'objectif in fine de tout ça, c'est évidemment de redorer le blason de la créativité africaine, de repositionner la musique africaine. Et puis, écoutez, il ne faut pas se le cacher, c'est d'en faire les Grammy Awards africains. Pourquoi il faut aller jusqu'aux États-Unis pour voir son œuvre récompensée? Et là encore, ce n'est pas toujours le cas, surtout pour des artistes d'une certaine partie de l'Afrique. Pourquoi attendre tout ça alors qu'on peut, nous aussi, à notre humble niveau, tenir une cérémonie qui serait totalement crédible? Et moi, je dis un waouh, 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 waouh. Il était temps. Il était grand temps. Ouais. Et je pense que les plus heureux sont les artistes. Je pense que chacun, à son niveau, va se battre. Les artistes et les producteurs. Les artistes et les producteurs. Oui, mais les artistes, déjà, même, parce que, bon, ben... Oui, parce que c'est eux les... Ouais, c'est eux qui sont... Ouais, c'est eux les producteurs. Alors, toi tu y étais. Oui. J'y étais, on a posé beaucoup de questions et on a eu des réponses qu'il fallait. C'est une cérémonie qui va, comme l'a dit Fiorella dans l'élément, mm-hmm. qui va responsabiliser les artistes. Mm-hmm. Il y a un site internet. Ça veut dire quoi? Responsabiliser parce que les artistes auront la possibilité eux-mêmes de postuler à ce award. C'est-à-dire que tu peux aller sur le site web Jelly de l'événement là, pour proposer ton œuvre. Il y a les catégories pour les albums, les catégories pour les singles. Ah, c'est bien. Pour les artistes femmes, hommes. Il y a beaucoup de catégories pour les EP, tout ça. Donc, les artistes peuvent proposer leurs œuvres. Et même les fans peuvent proposer. Tu peux venir sur le site pour dire, ben moi, je suis fan de Karina ou de Janine. Je propose Karina pour telle catégorie, Janine pour telle autre catégorie. Mmh. C'est vraiment démocratisé. D'accord. Et le jury est bien connu. C'est possible qu'on refuse, non? Les oui, si tu ne remplis pas les critères, parce que bien sûr, quand tu balances ton lien, il y a, oui. des, il y a,
Il y a des cases que tu remplis, bien sûr. Évidemment. Et après, il y a un premier jury qui valide avant le grand jury. Il y a des professionnels qui... C'est comme ça que j'ai reçu l'invitation, je pense. J'ai rempli quelque chose. Monsieur Cheikh Ivan m'a envoyé quelque chose que j'ai rempli. Mais ça, c'était pour aller participer à l'événement. Ça, c'était pour participer à l'événement. Après, tu pourras aller sur le site. N'importe quel artiste, les producteurs, les fans, les artistes, les voisins, les parents, n'importe qui... Tu peux aller sur le site pour proposer des artistes, pas seulement pour la Côte d'Ivoire, hein, c'est pour toute l'Afrique. C'est cassé de... Non, mais moi, ce qui me plaît, c'est que déjà, il y a une autre cérémonie de distinction qui s'ajoute au Primude, qui reste jusque-là la seule cérémonie de distinction qui met en valeur les artistes. Ouais. Et c'est bien, si on a une multiplicité de cérémonies comme ça, oui. Mais c'est bien, ça honore les artistes. Mm-hmm. Janine, tu en penses quoi? J'en pense. Comment? tu peux pas en penser j'en pense là. Ah, tu vois, c'est voilà une autre plateforme aussi. Toi, tu viens de sortir Wari. Ça va nous permettre de plus bosser. De travailler, parce que, effectivement, quand tu fais les artistes, désormais, en travaillant, vont se dire, je veux être... T'as vu les Grammys, quand Dobé Niaoré, aujourd'hui, quand on parle de Dobé Niaoré, on dit, elle a eu Grammy. Tu vois ce que je veux dire? Il faut qu'on arrive à dire, l'artiste a eu... Jelly Awards, tu vois ce que je veux dire, tu vois? C'est ce prestige-là, franchement, moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Les petits prix, hein. Oui, ça m'intéresse de voir des artistes. Ozone, toi qui étais, est-ce que ça concerne seulement que les artistes francophones? Non, pas du tout. D'accord. C'est toute l'Afrique. Toute l'Afrique. Oui, anglophone, lusophone, c'est toute l'Afrique. Moi, en tout cas, pour la première édition, je pense que je serai nominé dans une catégorie. Ouais. Il faut postuler. Bon, après, quand ils vont lancer les candidatures, il faut postuler. Nous qui sommes, des producteurs et managers, c'est bien pour nous parce qu'après, ça te permet de tester l'efficacité de ton artiste, le travail même que tu fais. Bien sûr. Et ça permet aux artistes aussi de tester leur... Leur puissance sur le marché. Ouais. Parce que le jury est composé de professionnels, des médias, des producteurs. Parlant de jury, on peut avoir des noms? Oui, je sais qu'il y a Claudicia. Robert Braza, il y a ma sista de Boomplay, je cherche son nom. Elle a mangé quoi? Elle peut n'oublier son nom. Comment? Il dit qu'est-ce qu'elle a mangé pour qu'on oublie son nom? Ouais, je sais pas ce que t'as mangé. Voilà, il y a en tout cas, c'est un panel de professionnels. Oui, hein, beau monde, franchement, c'est des professionnels. Donc, on peut pas dire qu'il y a... Paola Audrey, c'est ce nom que je cherchais. Il y a du beau monde. Donc, on va pas faire donner des résultats par complaisance, on va pas faire... ce que j'ai vu dans le jury, là. Voilà, c'est-à-dire, ce que tu mérites, là, c'est ça. Si tu dois avoir ça, on te donne ça. Oui. Et puis, il y a un système de vote qui est différent des autres. Le système de vote, c'est que c'est un vote par terminal. Ah ouais? Oui. C'est pas où on peut voter. Non, pas seul, tu peux pas voter. Avec ton seul téléphone, tu peux pas voter deux fois. Tu votes une fois seulement. Mais avec trois téléphones, tu peux voter trois fois. Mais c'est si là... tu veux, si tu as l'air pour payer 1000 téléphones, pour payer 1000 téléphones, tu as voté 1000. C'est là qu'on va voir si tes fans t'aiment ou bien si tu as des véritables fans, des vrais fans. Parce que si tu as payé 1000 téléphones, tu as payé 1000 puces pour voter, non? C'est là qu'on va voir si tu es fort aussi. Mais et les votings de la fin? Non, pas voting de la fin. Ouais. Après les votes, il y a le jury. Le jury, oui. Bien évidemment, physique, qui va statuer, qui va décider qui gagne quoi dans telle ou telle catégorie. Franchement, c'est ce que j'ai compris. Ouais. Et franchement, c'est bien. Est-ce qu'on a un nombre de catégories? Est-ce que ça a été signifié? Une vingtaine, 23 catégories, je crois, oui. Une vingtaine de catégories. D'accord. Voilà. Pour la première édition, d'accord. J'imagine qu'après, il y aura d'autres catégories qui vont venir comme dans toute la cérémonie. Est-ce que pour la première édition, ça sera cette année ou... Cette année. Cette année, oui. D'accord. La date a été déjà donnée, non? Oui. Il faut que tu puisses te regarder dans tes calepins. Alors, le vote du jury... C'est en octobre. En octobre? En octobre, oui. Le jury compte pour combien? Combien de pourcents? J'ai pas tous les détails ici, j'ai pas tous les détails, mais il faut savoir simplement que c'est une cérémonie d'une crédibilité extrême parce que le jury a son mot à dire. Tu sais que Tentich, elle est très forte. Elle dit que le vote du jury compte pour 25%, okay. Et le public, 75%. Ouais. Ah, donc, ça dit que. Bon, ça, tout est décidé. Il faut travailler pour amener les fans à te soutenir, à voter pour toi. C'est clair. 25% contre 75%. En tout cas, tous les villages vont voter. Oui, si, moi je vais. Tu connais Djokwe, non? Toute la ligne. Djokwe, Diglo, Angolo. Janine, chérie, alors dis-moi, quels sont tes projets avec Wari? Bon, la promo. La promo, d'accord. D'abord. Et puis, voilà, les émissions télévisées. D'accord. Après ça, je vais faire
deux, trois morceaux. En tout cas, j'ai trois morceaux à faire cette année. D'accord. Après okay. Wari, il y a un autre qui sort dans deux mois. On peut espérer un palais de la culture, pourquoi pas? C'est possible. Tout est possible. C'est très possible. Ouais, on a la foi. Yeah. Écoute, je te dis merci déjà d'avoir accepté notre invitation. Merci, merci. De revenir encore plus forte. Et puis, bonne chance pour la suite de ta carrière. On est ensemble. Merci, merci cher gouvernant. Merci. Cher papa, merci de nous avoir suivis. On ne vous laisse pas comme ça. Elle est là. Janine Klein, elle va nous offrir son Wari. D'ici là, portez-vous bien. On se donne rendez-vous demain, même plateau. On est ensemble. Peace. Showtime.